et lui, c'est beau et on s'aime. Et entre les deux, c'est l'amour fou, n'est-ce pas beau? Oui. Mais revenons d'abord au tout début. Ils se rencontrent dans une usine. Dans la forêt, ils rencontrèrent 12 qui aida Amma à accoucher. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens-moi comme ça! J'en tiens, vois. Les frascules! Les frascules! Les frascules! Ouais. L'amour et la haine. Le bruit et le silence. Le connu et l'inconnu. L'un révèle l'autre. Qui me regarde. Penses-tu qu'il faut toujours perdre une part de soi pour que la vie continue? Bah si, puisque tu viens de perdre ton gosse. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non, je bah t'ai si dit. Bah non, puisqu'il n'y avait pas de perte de vie non plus. Eh, hey, mais j'ai demandé aux personnes qui me regardent, pas à vous deux. Complexe. Et sinon, vous avez aimé quoi? Bah, en tout cas, moi j'ai aimé beau. Parce que dans mon imagination, il avait l'air trop beau. Ooh. Et toi, t'as aimé quoi? Bah, même si t'aimes pas dire, ce livre pourrait bien t'occuper pendant un moment. Et quoi de mieux que l'amour et l'aventure dans un roman? Réflexe! Et toi, t'aimes quoi? Bah, j'aime bien les romans d'aventure et les romans d'amour. Celui-ci en est un fabuleux. L'intrigue tient bien en place. Et la fin, je vous laisse la découvrir. Réflexe!